Bonjour, chers spectateurs de Inspire Life, New Ideas for a New World. C'est Petra Pop ici. Et aujourd'hui, j'aimerais bien parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Donc, merci pour votre attention. En fait, aujourd'hui, on va parler, et je lis mes notes parce que je veux manquer rien. Aujourd'hui, on va parler d'un système qui nous mène vers une économie qui devient à nouveau florissante. Un environnement sain pour les générations à venir, qui garde les ressources, qui préserve les ressources. Un système qui mène vers une humanité épanouie et motivée, une nouvelle jeunesse qui est, j'appelle ça la régénération, parce que elle régénère un peu ce que vient se passer les dernières, disons, 30-40 ans. Et à côté de moi, je trouve avec beaucoup de plaisir Christine Guine-Bretière, cofondatrice d'EPA Paris. Et Christine, raconte-nous un peu sur cette merveille dont je viens de parler. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça s'appelle comment? Merci beaucoup, Petra. Oui, donc je m'appelle Christine Guine-Bretière, je suis la cofondatrice, comme tu l'as dit, de EPEA Paris. EPEA Paris est l'agence qui déploie le Cradle to Cradle en francophonie, donc dans tous les pays francophones, afin de créer des produits qui soient vertueux pour les générations à venir, déjà dès nous-mêmes, mais pour les générations futures. Et cette méthodologie dont nous parlons s'appelle le Cradle to Cradle, économie circulaire à impact positif. Ça, c'est pour moi quelque chose de tellement immense. J'espère qu'on comprenne vraiment l'importance de ce système et qu'on fasse très attention parce que, sincèrement, ayant l'étudié, ensemble avec les énergies libres, pour moi, c'est vraiment la solution qui mène l'humanité vers un meilleur bien-être. Donc, en détail, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'où? Qui l'a fondé? Ça vient de quel coin, cette Cradle to Cradle? Cradle to Cradle, du berceau au berceau, est une philosophie d'éco-conception qui a été créée par Michael Brangart et Bill McDonough. Donc, dans les années, fin des années 80, Michael Brangart est chimiste à Greenpeace, directeur de la section scientifique de Greenpeace. Et il rencontre, fin des années 80, Bill McDonough à New York. Et ils inventent, sur le toit d'un immeuble, ils se rencontrent lors d'une réception et ils se mettent à rêver d'une humanité et d'une économie qui serait positive pour les générations à venir. Et donc, ils se mettent à parler de la nature ensemble et ils, ensemble, parlent du fait que, si on regarde par exemple un cerisier, hein, c'est le symbole d'ailleurs de EPA, si on regarde un cerisier produit à foison des fleurs et des fruits. Puis lorsque les fleurs et les fruits mûrs tombent au sol, ça ne viendrait à l'idée à personne de parler de déchets. Et donc, lorsqu'on regarde la nature ne produit pas de déchets. Et elle produit tous les aliments et les nutriments dont elle a besoin pour créer son propre écosystème. L'ensemble, évidemment, est créé grâce à l'énergie solaire, donc grâce au soleil. Et aussi, autre point qu'ils mettent en avant, c'est qu'il y a une diversité des espèces, qu'elle soit végétale, animale ou minérale, et que donc la nature ne produit pas les mêmes choses partout dans le monde, mais au contraire, c'est complètement diversifié. Et ils se disent, ben en fait, si nous regardons l'espèce humaine, à un moment de son histoire, comme tu l'as souligné, on va dire c'était déjà à peu près 200 ans, a commencé à vouloir dominer la nature, puis à l'utiliser pour ses propres besoins, a donc complètement changé sa relation à la nature, ne se sent plus intégré faisant partie de la nature, mais se sépare pour pouvoir dominer et utiliser pour son propre besoin et pour ses propres besoins. À partir de ce moment-là, l'homme se met à créer des produits qui ne rentrent plus dans un cycle naturel intégré avec la nature elle-même. Il se met bien sûr à innover, hein, ça fait partie aussi de l'espèce humaine de vouloir innover toujours plus, mais ne prend plus garde à soigner et à inclure leurs produits dans la nature. Donc, d'une certaine manière, il y a un système linéaire qui vient d'être créé par l'humain. Donc, tu veux peut-être parler de cela aussi par rapport à l'économie qui s'est créée en façon linéaire par rapport versus une économie ou une nature qui fonctionne d'une façon circulaire.
Bien sûr, lorsque l'on parle d'économie circulaire, très souvent on imagine des flux de matière qui tournent, et bien évidemment, c'est le cas. Mais l'idée derrière Cradle to Cradle, c'est que l'économie linéaire vue simplement sous un flux de matière n'est pas suffisant. Ce que l'on veut, et tu l'as très justement dit, c'est créer un système qui ait un impact positif pour les générations futures. Alors, on n'est pas dans l'éthéré, on n'est pas dans des concepts intellectuels qui n'existent pas, au contraire. Ce sont des systèmes qui existent déjà, que l'on peut découvrir lorsqu'on se promène, par exemple, en Hollande ou en Californie, voire à Ronneby, en Suède. Ce sont des systèmes qui existent déjà à travers, par exemple, des parcs d'activités créés selon les principes du Cradle to Cradle. Les principes étant, on ne les a pas regardés, mais je vais les décrire maintenant. Le principe les trois principes du Cradle to Cradle étant, tout est nutriment, waste equals food, tout est nutriment, l'utilisation des énergies renouvelables, qui sont toutes basées sur l'énergie solaire, et la diversité. Et donc, il est possible de créer des produits, des systèmes, des parcs d'activités, des magasins, on peut construire des usines, on peut construire un habitat, on peut construire des vêtements, on peut construire toutes sortes de produits qui suivent ce paradigme naturel de cycle, cycle continu, de cycle fermé, qu'il soit biologique ou qu'il soit technique. Le cycle biologique étant complètement calé sur le cycle naturel, hein, puisque tout nutriment que l'on va prendre pour créer ces produits retournera en fin d'usage à la nature. Et le cycle technique, qui est celui dont on parle souvent dans l'économie circulaire, mais en omettant de regarder les substances qui sont utilisées dans le cycle technique qui retourne à l'infini chez son producteur afin que les matières finalement fassent, grâce à un usage par des consommateurs, un certain bout de chemin avec les consommateurs, puis que ces matières reviennent dans le circuit de production pour pouvoir reproduire à l'infini. Donc d'une certaine manière, les ressources ne sont pas gaspillées. On va les réutiliser tous les fois, encore et encore, et peut-être même upgrade, donc améliorer les produits fur et à mesure que l'évolution va continuer par rapport à ces produits-là. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup lorsque tu parles de upgrade. En fait, Michael Brangart et Bill McDonough viennent de sortir ce livre aux États-Unis, Upcycle, The Upcycle, et nous allons également le sortir dans sa version française au mois de mars. Et ce livre, The Upcycle, est justement l'histoire que tu viens de raconter, qui est que à chaque fois qu'un flux de matière revient chez le producteur, on peut en améliorer les qualités, non plus le recycler, qui est souvent d'une façon préconçue, compris comme étant perte de qualité au fur et à mesure des usages, mais là au contraire, à chaque fois que les matières reviennent dans le cycle économique, il revient avec des qualités supplémentaires. Et ça a une influence très vertueuse pour l'économie aussi, j'imagine, parce qu'on a toujours envie d'améliorer, d'inventer. Ça met beaucoup d'importance aussi sur la recherche et le développement, finalement. Exactement. Qui est souvent un peu supprimé dans la chose et la création des choses. En fait, cela remet l'humain au cœur du système économique et ça remet l'humain comme étant la personne, le consommateur, la consommatrice, comme étant les personnes les plus importantes pour l'entreprise. Car non seulement le consommateur, la consommatrice, c'est-à-dire la personne qui va acheter et la personne qui va faire le chiffre d'affaires de l'entreprise, mais en plus, le client, la cliente, possède les matières de ma production de demain. Donc je vais réinventer une nouvelle relation avec mes clients, une relation de fidélité, où je vais soigner mes clients pour qu'ils me ramènent la matière dont moi je vais avoir besoin ultérieurement. Je trouve ça génial. Mais pour revenir encore très vite avant, pour faire un peu la distinction entre une économie linéaire et une économie circulaire. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'en fait, on produit, on construit un produit en le conceptualisant d'une certaine façon, qu'il soit utile pour une certaine utilisation. Mais après, on ne se soucie pas qu'est-ce qui se passe avec concrètement. De temps en autre, on dit bon, ça sera bien de recycler ou ça sera bien de réintégrer d'une manière ou d'une autre. Mais on ne se fait pas beaucoup de penser par rapport à qu'est-ce qui se passe après. Donc ça devient un déchet, donc un problème après. Et pour récapituler, dans l'économie circulaire, on conceptualise un produit dès le début, n'est-ce pas? Pour... Donc tu as raison, on éco-conçoit le produit évidemment dès le départ, éco-conception, mais l'éco-conception, je pense que c'est le point que tu veux faire, l'éco-conception inclut l'usage et la récupération de la matière. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit qui a une vie,
et qu'ensuite on se débarrasse du déchet qu'il devient après usage. Mais à l'inverse, on regarde la façon dont les utilisateurs vont utiliser les fonctions du produit. On va regarder quelles sont les matières et dans quelles conditions les matières vont être utilisées et pour quel usage. Et on voudra récupérer ces matières pour les remettre dans le circuit de conception et de production. Donc tu as raison, c'est de l'éco-conception qui est faite dès le départ. Mon associé Eric Allody aime bien dire, en fait, l'éducation des enfants, qu'elle coûte cher ou qu'elle ne coûte pas cher, c'est surtout après qu'on paye le coût de l'éducation. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, l'éco-conception, lorsqu'elle est bien faite dès le départ, c'est-à-dire que cette éco-conçue pour avoir un impact positif sur l'environnement et sur la santé, ne coûte pas plus cher à éco-concevoir que éco-concevoir pour réduire son impact. On n'en a pas parlé, et c'est quelque chose qui me tient à cœur plus particulièrement, mais c'est vrai que ce qui m'a le plus enchantée, le plus intéressée et inspirée dans le Cradle to Cradle, c'est qu'en fait, ça amène à un point très particulier concernant l'espèce humaine. Lorsque une entreprise met sur le marché un produit et qu'elle fait du développement durable, c'est-à-dire qu'elle investit pour réduire son impact, quelque part, elle indique au consommateur: achetez mes produits et je m'occupe du fait que votre produit aura le plus petit impact possible. C'est-à-dire que finalement, je transmets aux consommateurs, je transmets aux générations futures et aux jeunes que la production humaine est une production qui par défaut a un impact négatif, ce qui tend à dire, et ça c'est très profond, ce qui tend à dire que finalement l'espèce humaine est un problème. On en fait du cynisme, on en fait une façon d'être et de se comporter qui est: je sais que je fais un problème et je tends à diminuer le problème. Je sais que je suis un problème pour la nature et pour la planète, et je transmets ça à mes enfants, et je vais diminuer mon impact, donc je vais faire du développement durable. Il y a une autre façon de concevoir, c'est ce que Cradle to Cradle a amené, c'est ce que nous avons retenu, mon associé et moi, lorsqu'on a découvert le Cradle to Cradle en 2005-2006. Donc on s'est dit, on doit l'apporter en France absolument. C'est qu'au contraire, le Cradle to Cradle célèbre la vie, célèbre le fait que l'espèce humaine est une espèce naturelle qui peut, comme toutes les autres espèces, s'intégrer et avoir un impact positif pour l'ensemble, être dans un écosystème qui grandit et qui s'enrichit des autres espèces. Et donc, cela nous ramène au fait d'innover, et c'est là que l'innovation est importante et à éco-concevoir, mais c'est surtout l'innovation qui devient importante, puisque je vais mettre sur le marché des produits qui vont participer à ce système positif. Et aussi, finalement, ce que j'aime bien ajouter, puisqu'évidemment, on travaille auprès de grandes entreprises qui se sont intéressées et qui ont compris l'impact positif du Cradle to Cradle, à un moment donné, même des concurrents peuvent partir ensemble dans le Cradle to Cradle, parce que la compétition ne se fait plus au niveau ou au prix de la matière, ne se fait plus sur le dos de la planète. La compétition devient une compétition intellectuelle au niveau du design. Quelle est l'entreprise qui fera le meilleur design ou l'entreprise qui fera la meilleure utilisation possible des ressources naturelles qu'elle prend pour pouvoir fabriquer? Donc on n'en est plus à se dire je vais fabriquer quel qu'en soit le coût pour la planète. Au contraire, on va faire une compétition saine, voire on va collaborer ensemble dans de l'innovation pour pouvoir apporter des produits innovants sur le marché. Et ça a un impact très, très positif sur les entreprises aussi. Je fais une interview récemment avec ce forestier, au début, autrichien Erwin Thomas, qui impliquait vraiment tous ces principes-là. Et maintenant, c'est un grand entrepreneur écologique avec un impact sur les gens qui l'entourent, sur l'économie, sur l'écologie autour de lui, sur les jeunes, qui est juste phénoménal. Il voyage partout dans le monde. Donc si on est à côté de lui, on sent cette démarche dans toutes ses différentes formes, et c'est vraiment extraordinaire. C'est bien que tu parles des jeunes, parce qu'en fait, on est beaucoup appelés dans les grandes écoles de commerce et les écoles d'éco-conception françaises, justement pour parler du Cradle to Cradle. Et on reçoit un avis et un écho tout à fait positif. Parce que lorsque les jeunes générations découvrent qu'il est possible de créer des produits qui ont un impact positif sur l'environnement et sur la santé, ils disent oui immédiatement. Et d'ailleurs, ça me donne une belle transition pour parler aussi d'une initiative que nous avons démarrée avec plusieurs entrepreneurs et avec des associations environnementales, avec des consommateurs, des consommatrices,
Nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, le cradle to cradle devient aussi une transmission culturelle. C'est-à-dire que transmettre dans la culture qu'il est possible d'avoir un impact positif en tant qu'humain devient finalement le point qu'on veut passer en premier, car à partir de ce moment-là, les entreprises vont vouloir répondre à cette demande qui émerge sur le marché. C'est-à-dire que tu changes un peu l'état interne culturel de la population, des gens, exactement, pour après se mettre en action vraiment concrètement. Exactement. Et donc, plusieurs entreprises et plusieurs personnes se sont réunies pour créer la Cradle to Cradle Community, et donc qui sera une association loi 1901 qui réunit toutes les personnes qui bâtissent le monde de la génération de demain, donc des enfants d'aujourd'hui. Et nous nous réunissons avec un lancement officiel fin janvier, avec des personnalités politiques, des personnalités de tout environnement culturel, afin de montrer qu'il est possible et que des adultes prennent en charge cette nouvelle façon d'être dans la communauté en général et dans notre culture française, afin de répondre positivement à la demande des jeunes. Nous nous réunissons pour bâtir le monde de la génération Cradle to Cradle. Alors pourquoi est-ce qu'on a ressenti le besoin de créer cette association loi 1901? C'est tout simplement pour que toutes les personnes de bonne volonté qui sont inspirées par une philosophie, par une économie qui soit à impact positif pour soi-même, pour son environnement, pour les générations à venir, se rassemblent parce qu'on pense que c'est avant tout un phénomène culturel. C'est-à-dire qu'on ne veut plus du cynisme ambiant de la culture française qui pense que rien n'est possible et qu'on doit aller vers une diminution de son impact. Mais au contraire, on pense que porter l'optimisme, porter l'inspiration, porter le vertueux et le positif pour les générations futures devient le langage que tout le monde veut entendre. Et en fait, nous tous, on a soif de positivité et nous tous, on a soif de savoir, on a soif de réaliser en soi que tout est possible et que l'on peut créer du positif dès lors que les bonnes volontés se mettent ensemble et éco-innovent. Mais je voulais revenir sur un point qui me semble important, c'est que nous sommes en train de parler là d'impact culturel, nous sommes aussi en train de regarder le lien de l'homme par rapport à la nature, mais c'est aussi très concrètement une façon de déployer l'économie circulaire à impact positif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut toujours voir l'économie circulaire comme de la philosophie ou une éco-conception intellectuelle. EPA déploie concrètement dans la matière l'éco-conception. Nous accompagnons les entreprises pour regarder les produits qu'elles mettent sur le marché concrètement. Comment est-ce que nous faisons ? Eh bien, nous regardons un produit et surtout nous regardons ce qui compose le produit, c'est-à-dire que nous regardons les substances qu'il y a dans le produit, afin ensuite de travailler sur l'éco-conception, c'est-à-dire le choix des produits et des substances que l'on va utiliser pour pouvoir boucler les boucles. Alors, il y a une métaphore que j'aime bien donner, puisqu'on est en France et qu'on s'intéresse à la cuisine et à la gastronomie. Si l'on prend la recette de cuisine, très souvent, les certifications, les labels, les normes font référence à une recette de cuisine. Le Cradle to Cradle, bien que ce soit une certification aussi, va s'intéresser aux aliments que l'on met dans la recette de cuisine. Dès lors qu'on choisit les bons aliments, on a quand même beaucoup de chance pour que la recette de cuisine, même si on ne sait pas très bien cuisiner, au final, fasse quelque chose de bon. En tout cas, ça sera sain. Donc le Cradle to Cradle va s'intéresser à la qualité des nutriments, des aliments, c'est-à-dire à la qualité des substances que l'on va mettre dans les produits, afin de les faire boucler la boucle technique ou la boucle biologique. C'est pourquoi on peut affirmer que c'est sain pour la santé et pour l'environnement, car l'entreprise qui suit la philosophie d'éco-conception Cradle to Cradle prend l'entière responsabilité des substances qu'elle met sur le marché à travers ses produits, puisqu'elle a fait la démarche avec nous de décomposer exactement les substances et les produits qu'elle utilise. Il se révèle parfois que certaines substances ne sont même pas indispensables pour la création du produit et qui sont très très nocifs. Donc je porte par exemple un t-shirt rouge, souvent on met du cadmium, qu'on peut très bien produire ces couleurs-là sans ces substances et qui seront même un gain pour l'entreprise quand elle n'utilise pas tout ce cocktail toxique pour le corps finalement. Oui, tout à fait, ce sont des points importants. Quasiment tout notre environnement est composé de produits qui, à un moment ou à un autre, peuvent être nocifs.
soit par la substance elle-même, soit par l'interaction avec d'autres substances ou par la façon d'utiliser. Donc on n'est pas en train de dire que, par exemple, les habits que nous avons sont toxiques en eux-mêmes directement sur la peau. Mais par contre, c'est souvent incinéré ou ça peut être, à force de lavage, ça peut perdre des colorants. Donc on peut imaginer que dans les eaux usées qui partent dans les égouts, on peut imaginer des produits toxiques qui partent. Et on sait aussi que beaucoup de nos déchets ou de notre fin d'utilisation de produits sont incinérés. Et là, ce qui va partir dans l'air, ce sont des produits toxiques, au mieux. Au pire, ça va être enfoui. Et on sait qu'en France, on est largement dans un choix d'enfouissement dans nos décharges publiques. Et que, évidemment, dans ces décharges se retrouvent tous les produits toxiques qui ont été utilisés dans la production ou peuvent-ils être autrement. Est-ce que tu peux, dans tout cela, Christine, nous donner quelques exemples concrets des entreprises qui appliquent déjà ce principe cradle to cradle? Oui, bien sûr. Alors, en dehors du site c2ccertified.org, qui est donc le site internet sur lequel on retrouve les centaines et centaines de produits qui sont déjà certifiés cradle to cradle et les centaines et centaines d'entreprises qui sont déjà dans cette démarche. Il est intéressant de noter, je les ai déjà cités précédemment, que l'État de la Californie est devenu un État cradle to cradle, que les Pays-Bas sont un pays dont le code des marchés publics inclut le cradle to cradle. En France, des régions se lancent dans les démarches cradle to cradle sous différents appels à expérimentation. Je veux pour preuve citer par exemple les parcs d'activités en Bretagne, qui ont décidé de faire des appels à expérimentation cradle to cradle. Vous avez une autre région comme le Nord-Pas-de-Calais, où la lainière de Roubaix est donc un espace qui sera dédié à une exemplarité du cradle to cradle. Vous avez également le Languedoc-Roussillon, qui est une autre région qui commence à déployer des parcs d'activité sous la philosophie cradle to cradle. Donc ça, c'est pour citer les premières régions qui sont en train de rejoindre un mouvement qui, j'en suis sûre, va remporter un succès grandissant. Car lorsque l'on propose à des régions, à des communes, de créer des espaces qui soient des systèmes qui aient un impact positif sur l'environnement, là où elles sont créées, là où elles sont construites, comme par exemple le parc 2020 en Hollande, que nous avons visité fin avril avec plusieurs ministres et avec Nicolas Hulot, lorsque l'on voit le système, comment est-ce qu'il fonctionne, lorsque l'on voit que cela amène la production locale d'énergie, la production locale de ressources, de nourriture, que cela amène un système qui est vertueux par lui-même, localement, évidemment, on voit qu'on va vers de la solution locale pour un problème global, pour reprendre un titre de film connu, puisqu'évidemment, on ramène de l'emploi, tout cela pour pouvoir mettre sur le marché ensuite des produits qui soient vertueux. Tout ça, ça me donne vraiment beaucoup d'espoir et des manières très concrètes à changer les choses. Et j'étais encore dans un forum récemment où on a parlé, dans un salon, on a parlé beaucoup, mais c'était toujours les histoires très, très démotivantes. C'était un constat de la crise, un constat des faits très déprimants. Et comme tu disais très justement, je crois que c'est très important de justement changer l'histoire et aller en avant concrètement. Et ça, c'est un très bel exemple comment on peut le faire. Et je pense aussi, surtout maintenant, ça devient notre responsabilité. Puisqu'on voit maintenant des nouvelles générations, les jeunes générations arriver avec beaucoup de maladies allergiques, par exemple. N'oublions pas que nous avons créé cette production pour nous-mêmes et que c'est cette production maintenant qui s'emballe. Donc nous avons la responsabilité maintenant de prendre ce virage, de faire des efforts, nous-mêmes, notre génération, nos entreprises. Parce que quand on parle des entreprises, c'est aussi nous. Une culture est faite d'entreprises, mais de consommateurs, donc par nos propres choix. Donc nous avons la possibilité d'influencer sur les choix, nous avons la possibilité de créer et d'innover. C'est à notre génération de le faire pour que justement les générations futures ne supportent pas les conséquences de nos propres mauvais choix précédents qui étaient à un moment donné valables. Mais il est temps maintenant de s'éveiller à une autre dimension, à quelque chose de plus important, à une dimension positive de la vie et de vouloir la célébrer d'une façon différente en y incluant notre système économique. Christine, maintenant, j'aimerais bien te poser la question, quel pourrait être un obstacle pour le déploiement du cradle to cradle? Est-ce que tu vois quelque chose dans ton expérience que tu as déjà avec les entreprises, etc.? Oui, tout à fait, je vois un obstacle majeur.
Donc nous accompagnons, mon associé et moi, les grandes entreprises françaises. Et le point d'inflexion qui passe de l'économie circulaire impact positif, qui nous permet de passer dans l'économie circulaire impact positif, ce point d'inflexion, en fait, ne se situe pas à l'extérieur, mais se situe essentiellement à l'intérieur des personnes. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons un shift culturel à opérer dans les entreprises pour que l'ensemble des équipes comprennent que ce que nous voulons, c'est changer de paradigme où nous passons de la diminution de l'impact à vouloir avoir ensemble le plus grand impact positif. Et la majeure partie de notre travail consiste à faire ce shift dans l'entreprise pour qu'ensuite les collaborateurs s'approprient ce nouveau paradigme, cette nouvelle façon d'éco-concevoir. Et à partir de là, ensemble, on peut trouver les solutions qui vont répondre aux besoins de l'entreprise. Donc ce que je répondrai de façon courte et concise, c'est que l'obstacle majeur, c'est nous-mêmes avant tout. C'est-à-dire, moi, dans mon entreprise, est-ce que j'ai envie de faire partie de la solution ou pas ? Quand je prends la décision que moi, dans mon entreprise, et que nous, collectivement, dans notre entreprise, on veut faire partie de la solution, alors on accompagne et on trouve les solutions. Extraordinaire. Merci. Ça s'implique pour beaucoup de choses. Et j'aimerais bien finir avec les mots de William McDonough quand il dit « Comment aimer tous les enfants de tous les lieux dans le monde pour tout le temps ?» Et si ce n'est pas ça une bonne motivation pour nos actions que nous menons maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être. Je vais envoyer tout cela. Aussi, vous trouvez comme d'habitude en bas de cette vidéo toutes les indications des sites du EPA France, d'autres liens pour s'informer un peu plus encore sur le Cradle to Cradle. Je sais que tu fais plein de choses et autres encore. Christine et son associé Eric Alodi ont récemment créé ce merveilleux forum qui s'appelle... Le forum de l'évolution de la conscience. On a vu Barbara McSabot et Pierre Abbey et plein de personnes étaient là. On a vraiment beaucoup appris et c'était un grand turning point. So, je la remercie beaucoup et Eric aussi pour tout le travail qu'ils font, pour tous les efforts. Et je crois qu'ils ont besoin de soutien. Donc ceux qui veulent et celles qui veulent soutenir ces projets-là, s'il vous plaît, faites signe à EPA Paris.